Bonjour à tous, on va chanter aujourd'hui, je vous propose une petite vocalise, on va essayer de travailler un petit peu les graves, la descente des aigus aux graves. Donc plus concrètement aussi, ça rejoint bien sûr la voix mixte. Donc vous pouvez vous mettre debout, on travaille en position debout pour avoir bien la conscience de tout son instrument, des pieds jusqu'à la tête, comme la vidéo que je vous ai envoyée hier. On va faire ça, on va faire des octaves. Mais donc l'idée, bien sûr, c'est de ne pas déconnecter, de ne pas faire mia. On reste sur le souffle, on prend la respiration ici. D'ailleurs, je préconise, si vous voulez mettre pause et prendre une émission de bol d'air pour travailler bien cette respiration, pour ensuite après refaire cette vocalise, vous êtes le top du top et vous allez réussir. Donc, si vous pouvez travailler un peu la respiration avant, vous allez voir que ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc l'idée, on va faire ça. On va faire ça. Et on n'écrase pas les graves. On va essayer de les alléger un petit peu. L'idée, c'est de rester sur cette respiration-là, sur le souffle, avec le soutien. Vous pouvez regarder mes vidéos concernant le soutien. Et vous allez voir qu'on va développer un petit peu ça. C'est parti? On y va. On respire en bas. On allège les graves. Avant et vous travaillez ce soutien là sur le souffle, ce maintien. Si vous voulez avoir plus de précision, savoir concrètement les exercices pour travailler tout ça, et ben vous prenez contact avec moi pour des cours, ou alors vous regardez mon catalogue de formation dans lequel je transmets tout ça avec des formations donc digitales. Vous avez l'accès à vie, bien sûr, et on peut aussi communiquer, c'est-à-dire si vous ne comprenez pas quelque chose, bien sûr, je vous réponds. Regardez ça, tout est en bas, et je vous souhaite, bien sûr, si vous voulez approfondir aussi,
il y a un cours, il y a un kit de démarrage que vous pouvez télécharger de façon gratuite. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!